formidable. Quelqu'un de sincère, de très proche, vraiment dans la ligne que je défends aujourd'hui, hein, aussi bien économiquement qu'en termes de flux migratoires. Le Lot était très certainement l'un des départements les plus difficiles pour nous, mais il y a une équipe aujourd'hui qui se crée, il y a des gens sur le terrain. Marcher pour la première fois qui s'est fait à Figeac, je trouve ça, moi, évidemment très prometteur. Je vais m'astreindre à y venir plus souvent, puisque ça va faire partie aussi de ma mission pour les élections à venir, préparer les élections départementales et les élections régionales. Et il n'y a, je veux dire, aucune raison que le département du Lot ne fasse pas autant de voix que les départements qui sont autour. Je pense qu'aujourd'hui, la France est en grand danger et que la responsabilité d'un citoyen, c'est de s'engager pour son pays. S'engager pour son pays, c'est aussi se présenter à des élections. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Voilà, il faut s'engager, il faut prendre son courage à demain, parce que demain, il sera trop tard. Donc c'est maintenant que ça se passe.